Naviguer au coucher du soleil sur un bateau est incroyable. Chaque petit moment avec mon nouveau voilier renforce ce lien si spécial que l'on a avec notre bateau. Vous savez que selon certaines légendes, les bateaux ont une âme et que c'est aussi pour ça qu'on leur donne des noms. Quelque part au fond de moi, c'est un rêve d'enfant que je réalise, mais aussi mon rêve d'adulte. Un rêve de trésor et d'aventure, et qui renvoie encore une fois au rêve d'un enfant qui rêvait de vivre dans un livre. Plus je me rapproche de ce rêve, plus j'augmente les dangers. Le risque à vouloir aller de plus en plus loin et de plus en plus haut est de faire comme Icar et de finir par se brûler. Mais en mer, il y a de l'eau. Alors, je pense que je risque moins. Bon, on a un peu déconné, c'est-à-dire qu'on avait dit on rentre pas de nuit et... Comme par hasard. Alors là, bizarrement, la GoPro, on dirait que c'est très très éclairé. Hein. La vérité, c'est... pas si éclairé que ça. Il fait bien nuit. Il fait pas... Non, il fait pas nuit. Mais on est vraiment... le soleil s'est couché, on commence à être déjà à la tombée du jour, les lampes s'allument de la ville, bon... Enfin, ça change rien à la manœuvre, mais disons que quand vous voyez moins, ben, potentiellement, vous pouvez faire des conneries. Donc faut faire gaffe, surtout avec un nouveau bateau. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on rajoute en fait des mains courantes. Parce que sur ce bateau, il les avait tous enlevés, le précédent propriétaire. En fait, il n'en avait pas besoin. Mais nous, on aime bien les mains courantes pour pouvoir s'attacher, pour pouvoir se tenir. Et donc, on est en train d'en installer. Et avant de les installer, eh ben, on fait des modèles en PVC. Alors pourquoi il les avait enlevés? Je pense que c'était principalement esthétique. En fait, si vous n'avez pas toutes ces mains courantes qu'on est en train de rajouter, ça libère le pont, c'est beaucoup plus joli. Il y a plus d'espace pour s'installer. Par contre, bah dans les naves un peu musclées, bah, vous ne pouvez pas vous tenir. Et pour moi, c'est vraiment une sécu que d'avoir ça pour se tenir. Donc voilà, voilà pourquoi on rajoute ça et ça donnera ça. Il faudra qu'on les fasse en inox. Avec Céani, on est rentré à Grenoble, car je devais faire quelque chose de très important. Revenir avec mes parents. C'était une chose que j'attendais avec impatience, qu'ils découvrent le nouveau bateau. J'avais aussi très envie que Luna et surtout Pifou viennent, car Pifou, il a connu le corsaire, le bilou, corail, et je n'imaginais pas qu'ils ne viennent pas aussi sur celui-là. Regardez ma mère qui s'est posée. Alors, on est bien sur ce bateau? Ah ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est pour l'observation des dauphins. Ah ouais. C'est trop bien, ça. On a mis les voiles, c'est juste pour faire joli, parce qu'on avance à 1,5 nœud. Enfin, pour faire joli, c'est toujours bien d'avancer à la voile, hein. Mais 1,5 nœud, il y a 5 nœuds devant, je crois. Comment tu peux pas le voir, il est juste là le machin. Il va venir là. Ma mère parlait des dauphins tout à l'heure et justement là j'en avais vu un qui était pas très très loin, voilà on le voit. Et ma mère était comme une folle, elle dit non il y a un dauphin. Alors mon père ça faisait 3-4 fois qu'il sortait, chaque fois je lui disais il y a un dauphin, viens voir, il y a un dauphin, viens voir, il va venir jouer au vers le bateau. Et au moment où mon père se dit ouais c'est bon, ça fait 3 fois qu'il me dit ça, je vais pas ressortir, bah effectivement le dauphin est venu près du bateau quoi. Et si vous vous demandez pourquoi j'avais autant hâte que le Pifou vienne, c'est parce que mon Pifou il commence à se faire vieux et que j'avais peur ben, qu'il puisse pas venir. Mais heureusement, il est venu. Par contre, il a passé toute sa traversée dedans. Là, le bateau avance super bien puisqu'il avance à peu près à 5 nœuds et il y a 13 nœuds devant, donc c'est vraiment top. J'ai enlevé la voile arrière comme je suis tout seul avec mes parents, je voulais pas avoir à la gérer en plus, donc du coup pour l'instant je me mets juste sous grand voile principal et génois, grand voile principal qu'on appelle donc le mât de misaine à l'avant, parce que c'est pas un ketch, sur le ketch à l'arrière ce serait un artimant, mais là la grand voile principale normalement c'est la voile arrière, et à l'avant on a la voile de misaine. Ça aussi c'est un moment important pour moi, c'est le premier mouillage avec mes parents, je voulais qu'ils découvrent ce bateau au mouillage, parce que ce bateau au mouillage c'est juste une tuerie, c'est juste extraordinaire, ça vous aide bien, quand vous êtes dedans vous avez chaud, il y a la grande baie vitrée qui permet de regarder, qui permet de regarder dehors, c'est vraiment génial quoi. Et puis après on est reparti, mon père il a passé toute sa traversée retour dedans, et ma mère tranquille à la barre. Ma mère à la manœuvre. Et ouais, on rentre. Et oui, ça y est, ça navigue. Là, ça avance bien. Hein. Ça, c'est la deuxième sortie qu'on a fait avec mes parents. Donc, on a mis le bateau sous voile. Il y avait un peu de vent, donc on a pu un peu le tester sous gîte.
Je crois que mes parents ont vraiment, vraiment accroché avec ce bateau. Déjà, ma mère, elle l'adore parce que bah, même quand il y a du vent, il gîte pas trop. Franchement, il est super confortable en navigation. Mon père a adoré aussi bah, parce que c'est une goélette et je vous le dis hein, depuis plusieurs fois. Mais déjà, à Port de Bouc, quand mon père avait vu l'autre, il m'avait dit « Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce bateau !» Bon, bah là, forcément, il le trouve aussi super beau en navigation. Il est comme moi, au niveau des bateaux, on a vraiment les mêmes goûts. Ah, du coup voilà, coup de foot pour ce bateau. Mon père il est content parce qu'il peut être à l'intérieur et surveiller en même temps dehors. C'est juste génial quoi. Alors vous savez certainement pas, mais il y a des règles en montage de vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que normalement on met une musique qui est en adéquation avec les images. Et là vous allez vous dire, mais attends, pourquoi il met une musique un petit peu jazzy, joyeuse, alors qu'il a l'air quand même que bien se faire chier en haut de son mât? Eh ben parce que c'est exactement la musique que j'avais dans la tête. Genre un mec stupide en haut de son mât avec de la pluie, du froid. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait on avait descendu le radar pour le tester, savoir s'il marchait. Et par chance, merci à mon ami Ben qui m'a donné l'astuce, il m'a fait acheter un câble qui permet de dialoguer entre l'axiome et le radar qui est en haut. Par contre, il a fallu que je descende mon radar et que je le remonte. Et franchement, j'ai fait ça sous la pluie, j'étais trempé, j'avais froid et j'en pouvais plus. Alors après cet épisode de la montée du radar et de la redescente du radar, où d'ailleurs on a changé le cap du radar, on est allé se promener en Corse. Et on est allé sur la place de village où a été tournée l'enquête Corse avec Clavier et Renault. Et on est allé dans le bar typique où Clavier tourne une scène. C'était pour moi génial, moi qui adore ça, tout ce qui est tournage de films, de me retrouver là. Et faut avouer que la Corse, c'est quand même super beau. Après on est allé au resto avec mes parents où on a pris chacun une petite pizza, puis on est reparti, on a promené Luna et Pifou, on a croisé au détour d'un chemin un super pont romain et Luna en a profité pour se baigner dans de l'eau qui était franchement glacée quoi. On a profité un peu du décor, on est monté sur le pont évidemment. Après, eh ben, on est rentré. Si vous faites bien attention sur ces images, on voit que les vaigrages ont été enlevés. Parce qu'en fait, mon père trouve que les cadres qui entourent les hublots sont pas beaux. Non, du coup, on a tout démonté. On a enlevé le vaigrage qui était autour de ces cadrages. Et il va tout refaire en un joli bois. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.